Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce grand départ du Tour 2016, c'est un cadre grandiose qui accueille les coureurs, le Mont Saint-Michel. Au-delà du paysage, ce sont surtout les sprinteurs qui devraient nous offrir du spectacle aujourd'hui, avec une étape taillée sur mesure pour eux. Ça s'anime en tête de peloton. Tentative de contre. Mathias Brandley est un très bon rouleur et mieux vaut ne pas lui laisser trop d'avance. Rappelez-vous, il avait d'ailleurs battu le record de l'heure. L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. À la fois bon grimpeur et bon rouleur, Andrew Talansky dispose de sérieux atouts pour viser le classement général sur les courses par étapes. Le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Thomas.
Auf geht's, Fabian! Les hommes de tête abordent maintenant la première côte de la journée. Il y aura un point à empocher pour le classement du meilleur grimpeur. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Come on, 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 come on
L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Attention, Alberto.
les galopins. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Constamment essayer de fabriquer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. L'échappée perd du terrain. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint.
Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Thank you.
tapis blanc. L'échappée approche du sprint intermédiaire. L'occasion de rappeler que le vainqueur d'un sprint intermédiaire empoche 20 points, ce qui ne l'assure pas de porter le maillot à l'issue de l'étape, puisqu'il y aura 50 points attribués à ce dernier. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Le peloton roule fort, restez bien placé. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Les coureurs entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Ils vont pouvoir refaire le plein de gels énergétiques. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. Chute d'un équipier.
Hopkins va bien. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. Outgate Chris. Son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Come on, Alberto!
Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. De retard pour le peloton sur la tête de course. Thank you.
Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. On est à 15 km de l'arrivée et le peloton semble avoir pris la mesure de l'échappée. Les équipes de sprinteurs devraient combler l'écart sans difficulté en vue d'un sprint massif. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Seconde d'avance pour la tête de course. Km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Grosse chute dans le peloton. Oh.